attribue un 9-7 à Magdalena, le public qui siffle. Oh, alors que là, nous sommes gâtés en fin de programme, puisqu'à Magdalena succède une autre artiste à base de dégradé. Son juste au corps est vert, son ruban est vert un tout petit peu plus foncé. Vous l'avez reconnu, Diana Popova. Diana Popova qui en termine également de sa démonstration. La performance et surtout les notes de Diana nous intéressent au premier chef, car de son classement risque de dépendre la présence ou non sur le podium d'Eva Serrano. Tout s'est parfaitement passé pour Diana. Peut-être sa démonstration manquait-elle un petit peu de rapidité sur la fin. En revanche, la fluidité des gestes y est-elle. Elle nous a proposé également quelques roulades et en une fois de plus des enjambées pied-tête absolument parfaites. Je pense tout de même que les notes de Diana seront supérieures à celles d'Eva. Diana qui devrait, avec cette performance, venir s'inscrire dans les trois premières. Ce qui signifierait qu'Eva ne serait pas sur le podium. Oui, Diana est donc...